Combris te pété jeudi à la devant immigration sous la lua côté plusieurs manifestants à can alimette gaz mette caoutchouc godifé te ap mande libération yon employé immigration nan exam te rivé kidnappé. Cependant yo fait konnen yo pa gen moyen suffisamment pour ta répondre à rançon dans affaire kidnapping. Population te obligé prendre la rue craser zone ça et puis mettez difé ouais qui gens l'état capable camper pour libérer yon employé yon mandé $600,000 américains pour libérer. Toujours dans le dossier insécurité, on a parlé de Claude Joseph, ancien premier ministre, dans le moment où il a été assassiné Jovenel Moïse. Bat bravo la contentement pour arrestation Joseph Félix Badiou. Il fait connaître au grand pas dans la justice fait. L'ayo accepté arrêter Badiou, même si il connaît gagne gros difficultés qui pendait sous tête policier, commissaire qui était goumé pour arrêter Badiou, même si les États-Unis a goumé Konya la tout pour extrader l'autre bois. Mais le gouvernement haïtien, en parlant de Émilie Prophète qui gagne en tête comme ministre de justice, pourquoi ouais des bonnes pour yota libérer Badiou, voyez dans le pays Tonton Sam. Entre temps, Gapil Moun qui fait diverses déclarations concernant l'arrestation Badiou, et yon parle tout à l'endroit de rapport l'ONU qui mettait tout ou ni yon dal autorité haïtienne. Gen moun ki di nan jou kap vinyo la, c'est trop qu'elle a la pral derrière, c'est pral en pile par en pile qui va le faire dans le pays. Arrestation Badiou, sanction les États-Unis, sanction l'ONU, sanction Canada, c'est yon poisson crasé dans bouillon. Entre temps, mesdames, messieurs, ou même qui connectez ensemble avec nous, m'a demandé ou si vous pouvez faire ça, songez à abonner. Nous gagnons pile sujet de poté pour vous dans la nouvelle là, pas déplacer, tendez-le, partagez-le à qui vous amis. C'est yon nan moyen ou apede nous continuer travail et puis poté pour toute nouvelle qui a passé dans l'actualité pays. En suivant, yon extrait concernant ce qui a passé jeudi dans la manifestation qui explosé dans la capitale Port-au-Prince, suivi de diverses déclarations concernant l'arrestation Joseph Félix Badiou ou encore sanctions qui fait bon repas bon. Ce qu'on a l'endroit en pile autorité dans le pays qui déjà en pile dans yon à l'en caché, bagay la commencé miel. Mouvement ça, n'a fait devant immigration, n'a fait côté que nous portons frère, nous soutien, Rodney, Willio, n'est-ce qui kidnappé l'état de l'acheter en caoutchouc dans le carbone, n'est-ce qui kidnappé nous-mêmes, message nous voulons voir pour n'est-ce parce que nous connaissons bien. Côté yo kidnappé nan rue Carbonne, c'est en bas men nèg yo yo pou li. N'ap di nèg yo son ti malere k'ap travay 15,000 goud yo kidnappé a. Lè yo paye 15,000 goud, l'état prend $600 la donne, li vin rete $2,400. Comprendre monsieur, côté nèg la pral jwenn kòp pou paye $600,000 américain pour on kidnapping frère mwen yo monsieur. Nou pa konn ki moun pou nou kidnappé, moun nan ba nou zam nan, nou pa wè ki sa pou nou fè avèl. Frèm yo, son malere li ki gen madame, ki gen petit, ki gen yon responsable côté que ça si l'a touché dans l'union pas même qu'a fait rien pour lui n'a prié nous des grâces la gueule pour nous n'a pas tenu repos là nous côté solidarité avec un frère nous qui s'est retenu qui a affecté dans centrale malheureux pareil nous c'est bataille ça n'a fait dans pays à nous voulons conscience nationale qui prend et ça fait nous même équipe immigration Pétionville nous fait sortir ça nous côté solidarité nous avec frère là qui s'est retenu qui a affecté dans centrale là nous c'est haïtien aujourd'hui à nous tout pas capable retenir au Kimbéa c'est un sacrifice qui fait pour il y a un pile de monde qui va aller au Nicaragua aujourd'hui, qui va aller au Chili aujourd'hui. Mais nous, tous les pas partis, nous n'avons pas ensemble avec frère Sénou, qui n'a pas été ou bien manœuvre kidnapping qui a fait là. Mais c'est, nous ne pas demander pour nous kidnapper plus gros que nous, mais kidnapping non. Là, nous kidnappons un emploi immigration, qui a fait sacrifice pour venir là. Qui ça un emploi immigration pour aller pour le cabaye, nous demandons ensemble des rançons, ensemble des réseaux, ou pour aller kidnapper nous a demandé. Nous ne pas rien. N'a pas demandé libération, frère, nous, Odne, et n'a pas demandé tout. Pour une conscience nationale qui va dans le pays, ça veut dire nous, tous, pas qu'à partir. Wilson Odne, c'est un employé dans l'immigration, dans l'unité. Monsieur a touché 15,000 gouttes. Imaginons 15,000 gouttes qui sont pitance monnaie. Est-ce que vous pensez, vous êtes en train de vous donner, tu as besoin
t'as touché belle, j'ai bien bon bagage dans mail, c'est dans le carbone, j'ai pas lâché caoutchouc, 3e, 4e, 5e mai, pour mettre en bas machine. C'est pas malheur, il y a des affaires vivant en bas, et parce qu'elle connaît son malheur, conséquent, vient en bas, elle descend dans les machines, qui volent dans le riche en masse, dans le riche carbone, dans le défend, si malheur, elle fait vivre tout. Là, là, ISO, ou bien Mano, ou bien pas qu'on est monsieur, qui défend l'équipe d'Apin, nous fait action ça, je pense que c'est mal ça. Les gars, la demande sans condition pour libérer Rodney Whitson pour nous, parce que Rodney Whitson, c'est 15 000 gouttes l'a touché comme outil personnel dans l'immigration. Et Rodney Whitson, il fait passeport pour petit tout le monde dans le pays d'Haïti. Il va bien contre des gangs, sous des pasteurs, sous des prédicateurs, sous des policiers. Il va bien contre des aides pour venir, c'est passeport, une verre, passeport pour tout le monde net. Depuis qu'il a kidnappé. Le kidnappé depuis samedi. Il m'a dit 600 000 dollars américains. Et solidarité, le BKP, ça nous est là. Nous faisons pour frère et tout le monde par la chaîne immigration à travail. Voilà, on a écouté les déclarations diverses protestataires matin lundi ça devant immigration pour réclamer libération yon cadre dans immigration bandi examen kidnappé en bas la ville Port-au-Prince samedi passé. L'autre nouvelle, la police a arrêté hier dimanche 22 octobre là trois avocats et Joseph Félix Badio qui s'y dans serve présumé assassinat président Jovenel Moïse, maître Edison Alexandre avocat, maître Markinson Charles et maître Gibson Limage avocat stagiaire. Et yo identifié comme membre Baro Mibalay et bien journaliste Asio la Caille Badio dans fermat tout près cimetière et 60 d'après yon source proche PNH là ben trois avocats sa yo fait policier connait yo te vinn chercher rad pour Joseph Félix Badio alors que information fait quoi yo te vinn dans caille là pour récupérer téléphone portable et ordinateur présumé assassin après plus passer de l'année dans marron Joseph Félix Badio mais journaliste Asio le 19 octobre passé à Star Market Pétionville. Après ça, l'État prend répondre à la question agent directeur central de la police judiciaire, yo, Badio Taka, transféré États-Unis d'après information New York Times, fait publié. Ancien Premier ministre A.I. Claude Joseph, salue arrestation Joseph Félix Badio pendant le fait qu'on est. C'est une étape importante qui franchit dans le cadre d'enquête sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Il dit qu'il y a information comme quoi CSPN n'a pas content par rapport avec arrestation. Ça, commissaire Ernst Dorf. Feuille a fait un bain et il dit que commissaire a en gros difficulté en côté Claude Joseph qui a répondu d'Armose Figaro. Il est important pour nous saluer courage quelques policiers, commissaire là qui lui-même est à la base de l'arrestation ça. Donc faut que nous et saluer courage. Et mais nous connaissons que Badio tape vaque librement à activité l'impia en complicité avec autorité qui particulièrement même CSPN, tout le monde connaît que Badio joue un rôle important d'après rapport de CPJA. Et si ce n'est pas principal chef opération qui aboutit à 6-7 juillet 2021, donc assassinat président Jovenel Moïse, tout le monde connaît. Mais tout le monde connaît après le film exécuté tout le président Jovenel Moïse, c'était relé dans le matin, premier ministre, là, deux à trois fois pendant ce lieu crime là-même. Tout le monde connaît le lien que Badio gagne avec le premier ministre. Là. Donc, rapport privilégié que vous gagnez, ses amis personnels pour le ministre. Donc, c'est normal que Badio t'ait bénéficié couverture officielle, ça, que vous n'avez pas de camarade. Mais c'est un policier de façon isolée qui décidait de mettre main sous Badio, évidemment, avec support de l'autre policier. Donc, nous saluons courage, policier, ça. Et moi, certain, et d'après ça m'attendait et ça m'appelait, eh bien, et l'hypobab pour mon qui à la base de l'opération ça dans difficulté je dis parce que Badio s'est fait reconnaître ça même l'apparité donc l'été dit yo il a assumé responsabilité yo donc je dis à nous saluer courage yo et nous penser que c'est une étape importante qui franchit dans enquête là je dis à ou dis nous commissaire Ernst Dorfer qui était dans cette opération qui conduit à arrestation Badio. Donc, lui-même, pourquoi il est là, il est en difficulté, il a subi pression. Qui côté est pression ça a sorti? Bon, moi-même, je ne connais pas le commissaire Dorfeuille.
moi pas vraiment connais mon nom du tout alors pas connais du tout du tout et même moi lis un article sous gazette et après article là et gagne des informations qui viennent joindre moi au état major police t'as semblé pas content il m'a connais si c'est pour article là ou pas content ou bien pour arrestation qui fait mais ils sont évidence de toute façon gagne un peu de panique au niveau CSPN non parce que gagne une arrestation qui fait à l'insu yo pas connais et quoi me sous tout à l'heure si membre dans CSPN n'a te connaît si quelque monde dans état major police te connaît arrestation ça pas ta fait parce que Badio bénéficiait de couverture et quelque monde dans police là il bénéficiait de couverture CSPN non parce que pas oublier CSPN non les gars pour le ministre là dedans comme chef les gars pour le ministre là dedans comme ministre intérieur les gars et de l'autre monde bon évidemment c'est pour le ministre lui-même qui impliqué d'après rapport à implication présumée dans l'assassinat, rapport privilégié lié avec Badio, fait que évidemment, Badio était capable de fonctionner, j'enlève un pays. Donc, et c'est un secret de Polichinelle. Moi, pas quoi, commissaire Ernst Dorfer, besoin de dire que lui en danger pour nous connaître que lui probablement en danger parce que lui fait une arrestation qui est capable de mettre le gouvernement ça dans son ensemble, le chef CSPN dans une situation difficile. Donc, évidemment, il y a un problème. Donc nous-mêmes, nous croyons que quel que soit policier, nous n'avons pas besoin qu'on appartenance qui fait un travail comme ça. Il y a un monde qui est responsable d'opération pour tout au président. Donc il arrive à arrêter malgré couverture que le monde a gagné de autorité en place. Donc c'est un monde qui mérite support aux populations. Hein. Yon l'autre bon l'idée parti IDEA fait qu'on est, l'idée d'accord pour être transféré Joseph Félix Badio dans les États-Unis, l'idée pour être capable de protéger et protéger le non-crime ça pendant rappeler la mort ancien commissaire police Gilbert Dragon qui était dans la pénitentiaire nationale dans quatre dossiers. Si là, yon le fait encore, Claude Joseph. Moi-même, je remets tout le monde qui a été là, songer, dernier arrestation qui fait, tu fait pendant le premier ministre. Depuis plus que deux ans qui étaient primature là, pas jamais gagné une arrestation faite dans le cas d'enquête et président Jovenel Moïse. Toute arrestation faite, tu fait par Américains, ou bien et la justice américaine qui se dossier. Et donc, ça, c'est pour mes bagages, mais pas oublier tout pendant le premier ministre. Moi, j'ai fait appel à la juridiction américaine dans le dossier, à me décrire formellement. Donc, ça veut dire, je veux dire, si nous avons une chance gain de juridiction sur question, hein, si nous avons une chance que FBI est capable de rentrer là pour venir prendre Badio, c'est parce que moi-même, j'ai écrit l'MDP Premier ministre tout de suite après l'assassinat. Donc, nous-mêmes, nous croyons que la justice, pas nous, c'est une justice qui se coupe réglée. Bon, je ne vais pas parler de un juge d'instruction en particulier, mais moi, je crois que c'est une justice qui se coupe réglée. Comme son justice qui se coupe réglée, ça veut dire qu'il y a un bas contrôle, monde qui a l'argent, avec monde qui a pouvoir. Donc, comme son justice qui se coupe réglée, donc, moi, pensais que le support et États-Unis, il est important. Support n'importe quel pays qui a une capacité pour aider, donc, moi, je crois que nous avons besoin d'entraide judiciaire. Ce n'est pas sans raison, l'MD Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, moi, j'ai écrit l'ONU pour demander au tribunal spécial. C'est parce que je connais que nous avons une dimension transnationale et c'est parce que je connais tout justice haïtienne sous coupe réglée. Mais c'est peut-être ça que nous demandons au tribunal spécial. Et c'est peut-être ça que nous décrit FBI. C'est grâce à et rapport ça que nous avons avec sous question ça qui fait que nous-mêmes nous développons une juridiction pour entendre les gens qui impliquaient dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, et, étant donné ça, Badio représenté, étant donné le lien avec le président CSPN, non, étant donné la couverture que vous avez pendant deux ans dans le pays, donc moi je crois que l'élément ça a demandé en pile protection et véritablement en pile protection. Et là, moi je crois que les capables de faire une protection, ça a. Vous avez dit protection, pas oublier, non. Moi je dis pour les en lieu sûr pour ne pas faire même ça vous fait Gilbert Dragon. Pas oublier, dans un audio que nous détendons, non, message vocal, juge, instruction qui était sous dossier à avant et Aurélien, fait connaître ces nègres qui assassiné Gilbert Dragon en dans prison. Donc, dans ce sens-là, les fondamentaux, les importants pour Badio protéger, parce que Badio connaît en pile bagaille. Badio vient lié avec en pile monde qui participait dans le crime-là. Donc, il est important pour Badio en lieu sûr, pour Badio capable de collaborer avec la justice,
la justice haïtienne et la justice américaine. Donc, les SA n'a connu effectivement qui s'est passé dans la nuit 6 pour 7 juillet 2021. Tout à coup de déclaration, ancien Premier ministre A.I. Claude Joseph, arrestation Joseph Félix Badiou, capable de contribuer dans le jeu de la vérité, dans la mort brutale, ancien président Jovenel Moïse, d'après Maître Marc-Antoine Maisonneuve, pendant le basé sur le rapport de CPJ, un avocat, ancien soldat colombien qui est en prison dans le pénitentiaire national, dans le cadre de dossier ça, pensait Joseph Félix Badiou, effectivement, c'est un élément clé dans le crime ça, Maître Marc-Antoine Maisonneuve, vous jeté l'idée pour ta transférer accusé à États-Unis, en écoutez Marc-Antoine Maisonneuve dans le micro Michel Xavier. Dans le rapport qui a été soumis par la DCPJ au juge instructeur, c'est comme si moi dans chaque page rapport pour joindre le nom de monsieur Joseph Félix Badiou. Donc c'est là d'accord que monsieur c'est un inculpé potentiel, monsieur son maillon excessivement clé important dans le cadre d'assassinat ça. Et comment nous comprenons l'arrestation, monsieur? Je pense que c'est un pas intéressant qui a contribué à la manifestation de la vérité, puisque nous avons cité en pile dans le dossier dans lequel monsieur Genki Choy l'a mis. Il est même question que monsieur Seyoun Laneg s'est pénétré dans l'enceinte de la résidence de l'ex-président Jovenel Moïse. Joseph Félix Badiou. Il y a même tout son monde qui était à chercher Colombien à l'aéroport. Et puis son monsieur qui était pour ton gros lunettes noires, un chapeau, un pancarte, son bail comme ça qui. Je ne vais pas oublier que nous sommes dans le secret des dieux. En tant qu'avocat des Colombiens, en tant que monde qui se voit parler avec eux, en tant que monde qui est en contact avec parents colombiens, en tant que monde qui a une possibilité pour nous lu différents rapports. Yo. Donc je pense que nous sommes nous connaissons. Et Joseph Félix Badiou, je pense que c'est le cas pile bagaille. Je suis en pile bagaille la mer. Ce qui est ça au chita pour prendre un monde ça, yo, que la justice haïtienne a commencé à attendre. Yo, il y a même ordonnance qui rentre, ce qui s'est basé pour prendre le monde ça ou pimper aux États-Unis. Ou pas sans savoir, maître gagné procureur qui sous dossier à niveau Floride, le Miami même, selon sa New York Times révélé, qui déjà dépose un document pour être capable de mener M. Félix Badiou aux États-Unis. On n'a pas un problème non là avec sa procureur la DIA. On n'a pas un problème avec l'autre. C'est normal, ils ont l'autre juridiction. Donc ils estiment que Yoka attribue le droit pour autant de monde, pas de problème. La question qu'il faut formuler, qu'en est-il de la juridiction haïtienne? Parce que pas oublier, c'est la juridiction haïtienne qui est compétente. Parce que non seulement le crime ne commet là, c'est un crime transnational. Il ne s'agit pas d'un crime international. Attendez bien, oui? Mais dernier point net, qui confirmait compétence juridiction haïtienne. Là. Au tapot de déclaration, maître Marc-Antoine Maisonneuve, il y a un président légal haïtien droit Mounio Batelimi de 6 Jean-Noël qui s'allie à l'arrestation. Joseph Félix Badiou, lui dit le rété croué. Monsieur Badiou, pour le bail en pile information, qui permettre à enquête sur assassinat, président Jovenel Moïse avancé. Batelimi de 6 Jean-Noël exprimé en bain et qu'est content ou bien lui dit d'accord et pour ta transférer Joseph Félix Badiou dans le pays États-Unis, en côté Batelimi de 6 Jean-Noël. Nous estimons que l'arrestation de Félix Badiou est un pas important, nécessaire. Parce que Félix Badiou, longtemps recherché par la police, est également indexé dans le rapport de la DCPJ, c'est un élément important. Son arrestation pour nous, au niveau de la Ligue haïtienne des droits de l'homme et de l'OUDH, constituait un tournant dans cette enquête. Au nom de la lutte contre l'impunité et des crimes du passé, qui ce sont des facteurs en droit de l'homme, nos supposés travaillent sous yo régulièrement, nous apprécions ce coup de filet. Nous pensons que Félix Badiou pourrait faire un peu de révélation autour des AXA qui étaient passés en Haïti le 7 juillet 2021. Nous espérons que la justice haïtienne fera œuvre qui vaille lors même que États-Unis déjà mandé pour Badiou rentrer. En fait, cette demande de la part des États-Unis peut être capable d'entrer dans le cadre de la protection de Badiou comme élément important dans l'enquête-là, parce qu'en Haïti, nous savons comment sont les choses, vous voyez. Donc, nous ne sommes pas opposés, lors même que nous avons trop grande confiance aussi dans la justice américaine par rapport aux affaires d'Haïti. Et surtout, États-Unis ont déjà mis sous scellé plusieurs informations qui liaient sécurité États-Unis. Donc, nous espérons que
Les révélations de Badjo Papral mettaient sous scellé encore, comme d'autres, mais il va servir pour l'avancement de l'enquête et que en pile haïtien, toute population attend parce que cet acte doit être puni sévèrement et pour ne plus recommencer. À côté de déclaration, Barthélemy Décius en Jean-Noël n'a toujours été dans le dossier insécurité. Il y a un département d'État américain qui a annoncé mettre campé une unité enquête criminelle transnationale dans le pays d'Haïti, dans l'idée pour faciliter enquête et poursuite concernant crimes transnationaux et ni crimes tout qui n'y a lien avec États-Unis. Unité ça pour le concentrer sur poursuite crimes qui lient à contrebande d'armes et puis balles, trafic monde et activité gang transnationale. Donc, on va continuer à utiliser les outils qui disent disponible pour promouvoir responsabilisation acteurs qui n'ont pas corruption, monde qui a supporté violence gang et l'autre activité criminelle dans le pays d'Haïti. États-Unis étaient déterminés pour promouvoir la paix et prospérité pour le peuple haïtien. D'après ça, nous lisons un document et d'après porte-parole du département d'État, Matthew Miller, dans un communiqué, États-Unis salué Conseil de sécurité des Nations Unies qui votait à l'unanimité résolution 27-00 à 19 octobre passé qui renouvelait un embargo armes sur le pays d'Haïti pour empêcher en bien acté qui pendant l'état aux jeunes âmes et puis tout bloqué bien monde capable de supporter gagnant et puis interdit au voyage et tout. Le département d'état américain salue tout sanctions qui tombent sous groupe monde saillot et pendant noter États-Unis et dans même sens là sanctionner plus passer 50 monde qui accusé dans fait tout à processus démocratique dans pays d'Haïti supporter ou bien financer organisation criminelle et puis participer dans gros violation droit monde à corruption. États-Unis continue à prendre bon jamais pour empêcher départ illégal Zama et sous Caraïbes-là d'après garantie département d'État bail pendant le fait qu'on est au gouvernement américain. Et tous outils, mais tous outils à disposition, et surtout à travers Bipartisan Surfer Communities Act pour permettre trafiquants en armes, supporter monde qui supporte gang, acteurs qui dans corruption, yo répondre avec zak criminel ça yo nous appelé yon texte sous dossier si là États-Unis qui mettait campé et yon unité enquête criminelle transnationale dans pays d'Haïti. Gen juriste et puis ancien diplomate Pierre-Antoine lui qui parler de l'annonce du département d'État américain par rapport à la création d'une unité enquête criminelle transnationale dans le pays d'Haïti. En bien, il fait connaître une ingérence flagrante dans l'affaire et pays qui sont pays souffrants, d'après Pierre-Antoine Nuit, qui fait connaître c'est pas États-Unis qui doit décider que strict-il doit mettre campé pour travailler sur question pays d'Haïti. En côté Pierre-Antoine Nuit avec David Louchard. Il y a aberrant, voire même inacceptable. Ou encore une ingérence dans l'affaire d'un pays qui est souverain, que c'est les États-Unis qui ont annoncé la création d'une unité d'enquête dans un pays. C'est inacceptable. Nous prenons un malin plaisir pour nous carrément décider que nous ne pouvons pas gouverner le pays, que le pays a son dépendance des États-Unis liés, et que les États-Unis qui ont pris toute initiative dans le pays, ils ont décidé de révoquer les gens, de mettre les gens, le directeur de la police, la douane, tout le monde, c'est des autres. Donc moi-même, je trouve ça en premier lieu, dans la forme, sont des autres liés. Ce n'est pas les États-Unis qui peuvent dicter qui unité qui doit gagner dans aucune institution dans le pays. Il faut que ça suspende dans une perspective côté Haïti à prendre le droit de grand monde. Il faut que ça soit pas fait dans le pays. Parce que un pays, supposé qu'il y ait une gouvernance qui est éclairée, supposé qu'il y ait un leader qui est leader là-dedans, qui est responsable qui gouverne le pays. Ce n'est pas pour l'autre pays qui pourra venir dire qui ça peut faire dans un pays qui est souverain. Deuxièmement, enquête transnationale, y a parlé, ce n'est pas la science des fusées. Même si c'était la science des fusées, Haïti n'a pas qu'à apprendre ni. C'est pas un bagage qui est compliqué au point où Haïti n'a pas qu'à faire. Donc maintenant, le malheur pour le pays, c'est que le pays a complètement pas dirigé. Pas qu'il y a aucune initiative qui prend dans le pays, le secteur intellectuel pratiquement pas existé. Puisque, il a crasé l'université, même j'ai crasé le gouvernement du pays. Donc, ça paraît un bagage qui est extraordinaire. Mais, les autorités judiciaires de mon pays doivent être capables, si on a fait donner, gagner des répercussions internationales, gagner des aspects internationaux, comme par exemple l'assassinat odieux et lâche du président de la République, qui planifiait et à Port-au-Prince et aux États-Unis d'Amérique, la police et les autorités judiciaires ont supposé gagner compétence
pour traiter question ça. Donc pour moi même c'est pas un bagage qui est extraordinaire, c'est une affaire de rien du tout. D'ailleurs, moi apprendre que ils ont fait ça, il y a parlé de nécessité pour réprimer le trafic des armes qu'a fait aux États-Unis. Donc OK, donc problème dans les États-Unis lié. C'est les États-Unis qui mettent un embargo sur les armes pour les forces de sécurité haïtiennes. Mais en même temps, malgré l'embargo de l'ONU, experts l'ONU dit dans le rapport. C'est les États-Unis qui ont un problème à pomper les armes sur Haïti. Qu'ils ont des armes qui étaient là quand ils vivaient juste à Haïti. Donc, problème n'a plus aux États-Unis que l'Haïti, sauf que nous-mêmes en Haïti, nous avons subi l'homme là. Donc, même pour moi, problème n'a pas aux États-Unis résidé. Parce que depuis que vous avez des armes, vous considérez comme gang, vous êtes dans une situation de non et tout, vous n'avez pas l'autre bagage pour faire 7 ans. Donc, qui est-ce qui est là? Samedi matin. Mais qui est-ce que ça est lui-même? Monsieur, c'est un petit personnel qui est dans l'immigration, monsieur le Rodney Woodson. Le mouvement ça qui est nous entendons faire ensemble avec lui. Bon, on est samedi pas de travail, dimanche pas de travail, jeudi à lundi, en signe de solidarité, tout le monde est campé. Parce que l'idée au pas perdre rien. Nous pas de ça. Nous pas de rien, mais si pour nous entrer, nous rentrer à l'aide, malheureux à cap souffrir en bas, mais non. Et ça fait nous-mêmes car on a beau. Jeudi à la, nous campé devant l'immigration. Nous avons demandé pressé. La guerre est pour nous. Parce que nous avons été écoutés que n'importe quel corporat qui est dans la rue. Si moi 600 000 dollars, je dois me battre un bâton. Ah, il faut que 600 000 dollars américains, je dois me battre un bâton. Mais vous me dites un bâton, je vais me battre un bâton. Je vais me battre un bâton. Vous voulez que je me battre un bâton. Je vais me battre un bâton. Je vais me battre un bâton. Nous vivons dans la terre, dans la kidnapping, dans la tire monde, car on a beau lever. Et la lever, la prend ni sac, ni paille, ni trip. La prend tout. Arrangez-nous, messieurs, dames qui ont fait kidnapping dans le pays. Car on a beau dire, moment arrivé. Pour nous faire un mea culpa. Pour nous faire une tête ensemble. Pour nous sauver la nation. Kidnapping, pas bon pour nous. Kidnapping, pas bon pour nous. Kidnapping, pas bon pour nous. C'est Odné qui a affecté dans ce galon-là. Ça l'a demandé. Nous avons demandé ensemble de frères, c'est nous. Nous sommes haïtiens, je dis à nous, tout pas capables. Je pense que Rodney Okebea, c'est un sacrifice qui vient pour être là. Il y a un pile de monde qui va aller à Nicaragua aujourd'hui, qui va aller au Chili aujourd'hui. Ce n'est pas moyen ou emploi immigration pour gagner pour aller. Mais nous ne sommes pas capables. Nous sommes là, nous choisissons de vivre là. Nous n'avons pas ensemble avec les nous qui n'ont pas ou des manœuvres qui n'ont pas fait là. Mais ce n'est pas demandé pour nous à kidnapper plus gros que nous. Mais kidnapping, là nous kidnappons l'emploi immigration, qui a fait sacrifice là. Qui ça va avoir l'immigration pour le travail et nous demandons ensemble des rançons, ensemble des réseaux pour pouvoir les kidnapper. Nous n'avons pas de l'argent. Nous avons de libération pour nous et nous avons de tout. Pour le conseil national qui va dans le pays, ça veut dire que nous ne sommes pas capables. Il y a un pile dans nous, c'est là, c'est pas prétendre que nous avons de l'argent pour nous faire Nicaragua. Je dis à nous camper pour nous demander libération, frère. Nous tous pas capables, conscience nationale, là, chaque haïtien. Merci. Qui est-ce qui kidnappé pour nous là? Rodney. Woodson, Rodney, monsieur, c'est. Woodson, Rodney, c'est un employé. Dans l'immigration, dans l'unité.